Monsieur Hetzel, pour un rappel au règlement. Merci, Madame la Présidente. Oui, c'est un rappel au règlement au titre de l'article 58. Et je vous remercie, après une demi-heure de demande, de me l'accorder. Effectivement, je souhaitais intervenir pour parler du bon déroulement de cette séance et vous dire que je suis un petit peu surpris. Un peu surpris de la manière dont Madame la Ministre nous a répondu. Il est de tradition dans cet hémicycle que eh bien, les parlementaires fassent leur travail, aussi bien ceux de la majorité que ceux de l'opposition, que les parlementaires puissent évidemment déposer des amendements et puissent argumenter tel qu'ils le souhaitent autour de ces amendements. En lieu et place de réponse de la part de Madame la Ministre, celle-ci s'est engagée dans un plaidoyer finalement critique à l'égard de l'opposition, un véritable réquisitoire, nous montrant du doigt en indiquant que voilà, ça n'est pas comme ça que nous devions procéder. Je pense qu'il y a là une inversion des rôles qui n'est pas conforme à la manière dont les choses devraient se dérouler à l'intérieur de cet hémicycle. Je pense que le rôle d'un membre du gouvernement n'est pas de formuler un jugement sur la manière dont les parlementaires conduisent ce travail parlementaire. Je crois que les membres du gouvernement sont là pour répondre, d'autant plus qu'il s'agit bel et bien d'un projet qui est porté par le gouvernement. Le gouvernement devrait nous apporter des réponses. Et en lieu et place de ces réponses, qu'est-ce que nous avons? Des critiques vis-à-vis de l'opposition. Je crois que cela n'est pas de nature à calmer justement les débats. Et je crois que le gouvernement devrait là aussi réfléchir quant à la manière dont il traite son opposition. Je vous remercie.